Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de gym avec bâton. Alors, vous allez me dire, oh, j'ai pas de bâton à la maison. Si, 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 vous faites comme moi. Tout le monde a un manche à balai. Vous le dévissez et voilà, ça fera très bien l'affaire. Pas de problème. Ensuite, vous avez besoin aussi d'un tapis. Bon, ça, vous pouvez vous mettre au sol aussi chez vous, sur un tapis de salle ou sur la moquette ou sur une serviette. Enfin, bon, à vous de voir. Et bien sûr, une bouteille d'eau comme pour chaque séance de gym. Voilà, allez, on va commencer ensemble. On va s'échauffer, on marche sur place, tranquillement, on commence à se mettre en mouvement. Voilà, on réveille son corps. Allez, je mets les mains sur les épaules, je fais des petites rotations, bras fléchis vers l'avant. Je change de sens. Très bien, je mets mes mains sur les hanches, j'écarte un tout petit peu plus mes pieds, je fais des petites flexions tout doucement. Allez, et je reprends la marche. Allez, vers le haut, ici. Un bras et l'autre. Un bras et l'autre. Voilà. Allez, on continue. C'est bien soufflé. Même chose sur le côté. Rotation, un bras et l'autre. Allez. Et on reprend la marche. Commencez à monter un petit peu les genoux. Voilà, on va moins vite, on monte un petit peu plus. Très bien. Et on reprend les petites flexions. Là. Toujours les mains sur les hanches. Essayez de garder vos pieds parallèles. Ok, on a les bras tendus. Cette fois, les rotations, on les fait les bras tendus vers l'avant, vers l'arrière. On reprend vers l'avant, là, et on fait les plus grands cercles. On a de l'amplitude. Voilà. Doucement. Et vers l'arrière, même chose. Là, de l'amplitude. Très bien, relâchez. Et on reprend la marche en montant un peu plus les genoux. Ok, là, bras tendus, main ouverte, paume de main vers les cuisses, ici et là, hop, je croise devant, je reviens vers le haut, je croise, je reviens vers le haut, je croise, voilà. Allez, on continue. Pensez toujours à bien souffler. Là, bras fléchis, toujours les mains ouvertes, la paume de main devant.
Je souffle, je vais devant. Je souffle. Voilà. Allez. Allez doucement. Et toujours à l'échauffement. Très bien. Relâchez le haut du corps. On reprend la marche. Très bien, relâchez. N'hésitez pas à boire un petit coup et on va commencer avec le bâton. Alors, prenez votre bâton. On va mettre les pieds parallèles, un petit peu plus large, écartés un peu plus large que la largeur d'épaule. Voilà, légèrement fléchis les jambes. On a le bâton devant et ici on va tendre les bras. Là, le bâton au niveau de la poitrine. Allez, on y va ensemble. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. Gardez toujours vos jambes légèrement fléchies. Toujours bien gainées. On serre son ventre, on serre les fessiers. On est ici droit, bien droit. Les bras sont tendus devant. Toujours le bâton dans les mains. Et là, on va revenir bras à l'horizontale. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va enchaîner les deux séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on garde ses bras tendus. Je viens devant là. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On relâche un peu les jambes, on décontracte les épaules. Et on se replace. Toujours la même position. Là, cette fois, je vais essayer de mettre mon bâton sur mes épaules, derrière la tête. Là, si ce n'est pas possible, si ça vous fait mal, remettez le bâton devant. Par contre, vous le tenez au niveau du cou. Là, une fois que je suis placée, vers le haut. 1. Toujours le bâton derrière la tête. 2. 3. Sauf pour les personnes pour qui ça fait mal. 4. À ce moment-là, vous le gardez devant. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Je pose le bâton sur mes épaules ou devant si besoin. Et là, je vais tourner d'un côté. Rotation. 1, 2. On rentre son ventre. 3 à chaque rotation. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 et on change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient devant. Relâchez vos épaules. On met le bâton en appui ici. On tient une main. Resserrez vos pieds. Et là, on va travailler un petit peu les jambes en montant ici le genou. Je pose. On reste bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous changez de jambe. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Écartez de nouveau vos pieds. Ici, le bâton devant. Je le tiens pas trop, les mains pas trop écartées. Là, et je vais aller devant comme si je voulais
pagayer. C'est-à-dire, là, je rame, je vais chercher l'eau devant, et ben, c'est exactement la même chose avec mon bâton. Je suis légèrement penchée en avant et je vais là. Allez, allez, là, devant, devant, je vais chercher. Voilà. Allez, on continue, on essaie de tenir un petit peu. On tient, voilà, c'est bien. On continue. Allez, on continue. Là, et vous relâchez. Allez, on se remet en place. Pied parallèle toujours. Cette fois, on va prendre le bâton devant ici. Dos de la main contre les cuisses. Voilà. Et là, on va remonter ici les doigts sur les épaules. Là. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, même chose, je tiens mon bâton un petit peu plus fort et là je vais contracter mes biceps et là c'est fort, fort, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte très 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 fort, hop, je relâche. Allez, on essaie de le faire 5 fois, là je contracte, je contracte, je contracte très très fort, là et je relâche. Allez, 3, à fond, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre et on relâche. 4, allez, fort. Toujours, toujours très fort. On contracte à fond. Hop, on relâche. Allez, la dernière, même chose. Là, allez. Allez, allez, allez. Et relâchez. Très bien. Et on reprend une série normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je reprends le bâton devant. Jambes légèrement fléchies toujours, je me penche en avant, les fesses en arrière, le dos plat, le dos droit. Voilà. Et là, je vais aller chercher loin la tête entre les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je suis dans la même position, je viens poser mon bâton sur les épaules. Et là, je vais faire une rotation là devant. 1, 2, 3, 4, 5. On change de côté. Comme tout à l'heure, si c'est trop difficile, vous pouvez mettre votre bâton ici au niveau du menton. Allez, 1, 2, 3, 4. 5 et je me redresse doucement. Voilà, le bâton devant toujours. On reprend le bâton au sol. On appuie. Là et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous changez de jambe. 1. 2, restez bien droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Pieds parallèles. Le bâton devant. Pour l'instant, les bras ne bougent pas. Les bras sont fléchis. Et là, on fléchit un petit peu ses jambes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste jambes fléchies un tout petit peu. Les fesses en arrière, le dos droit est là devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Là, et je me redresse. Gardez vos bras tendus. Voilà. Paume de main contre les cuisses. Et là, je vais aller sur le côté. Ici. Là. Et là. Là. Voilà. Allez. Doucement. Allez, doucement. On rentre son ventre. À chaque fois, chaque rotation, hop, je rentre le ventre, je relâche, je rentre le ventre, je relâche, je rentre le ventre,
Je relâche. Là. Et relâchez tout. Très très bien. Je pose le bâton, buvez un coup. Là, et on va passer. On boit un coup et on va passer au sol. Un tapis et toujours le bâton. Allez, on se met au sol. Là, on va se mettre sur le dos, bien plaquer ses lombaires au sol. Le bâton au niveau de la poitrine, bras fléchis. On va décoller ses pieds, garder les jambes pliées. Et là, ensemble, on tend les bras et on tend les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose les pieds au sol, pieds à plat au sol, jambes fléchies. Et là, on va tendre ses bras, les doigts touchent les cuisses. Et là, je vais derrière, bras tendus, et je reviens. 1, toujours bien la tête au sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez les bras, on lève ses pieds, les jambes sont quasiment tendues et là on va simplement écarter les pieds, ramener. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. On garde ses jambes fléchies. On reprend le premier exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Relâchez les jambes. Allez, bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Soufflez, on fait une dernière. Jambes fléchies, bras fléchis. 1, allez. 2, vers le haut. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. On va se mettre assis. Pour se mettre assis, n'oubliez pas, je viens sur le côté. Là. Et ensuite, je m'assois. Alors, on garde son bâton. On va écarter les jambes, écarter les pieds, jambes tendues. Ici, je viens amener mon bâton au niveau des orteils. Là, je me redresse et je tire sur mon bâton. Allez, on maintient. Le dos est droit. Soufflez bien. Relâchez. Vous pouvez resserrer un petit peu les pieds. Et là, on va aller ici vers le haut. Allez, vers le haut. Très haut, on se grandit. On relâche. Et là, on va faire le dos rond, le dos rond, le dos rond. Et je vais devant. Et je vais devant. Le plus loin possible. Là, je relâche. Très bien. On peut poser son bâton. Voilà.
voilà pour aujourd'hui. La séance est terminée. Alors prenez soin de vous et surtout, bonne journée à la maison.